Windows, c'est un programme central qui permet tout capable d'exploiter ordinateur. Il est fondé par la société Microsoft depuis en 1972. Depuis date ça, il a pas suspendu de présenter l'un après l'autre une série de versions qui connaît de grands succès. Tant que Windows XP, Windows 7, Windows 10, Windows 11, qui c'est la toute dernière version qui était sortie en juin 2021 là. À travers formation ça, nous pral aider vous faire une initiation rapide dans Windows 11. Bienvenue sur la chaîne Curiosité Informatique. Si vous faites arriver sur la chaîne, nous invitons à abonner Kounye là pour pas rater dernière vidéo nous. OK, nous parti. Si vous habitiez utiliser Windows, vous avez dit tout bagaille OK parce que nous gagnons élément graphique ça yo qui c'est les icônes, yo toujours là. Nous gagnons grand espace ça là qui c'est bureau, il est toujours là. Nous gagnons bas de tâche là, il est toujours là. Mais là, nous avons un bagage qui attire l'attention. Nous voyons que bas de tâche là, icône yo centré. Or, comme habitude, nous avons un bas de tâche là qui aligné à gauche. Donc, qui est capable de faire dans le cas ça si nous avons pire main, icône yo est aligné à gauche? Eh bien, tout simplement, nous avons fait un clic droit sur bas de tâche là. Là, dans le menu paramètres de la bas de tâche. On a fait un clic gauche sur option paramètres de la barre des tâches et ici on a descendre légèrement dans menu barre des tâches là on a trouvé comportement de la barre des tâches et dans comportement de la barre des tâches on a fait un clic gauche et voilà nous un menu alignement de la barre des tâches centré et ici on a changé gauche cliquez ici et tout de suite nous voyons que le bouton démarrer retourner à gauche avec les icônes il reprend place. Il y a un autre changement qui a causé problème dans manipulation Windows 11 si vous êtes habitué ensemble avec ancienne version tant que Windows 7, Windows 10, c'est menu contextuel. Menu contextuel là, c'est que c'est l'aime faire un clic droit sur un élément. Par exemple, on fait clic droit là sur bureau. Donc nous remarquer qu'il présente nous un menu qui a un rapport ensemble avec bureau. Comme d'habitude dans l'autre version yo, nous avons toujours un menu ça lorsque nous faisons clic droit. Mais cette fois-ci, nous voyons que le menu ça paraît plus moderne parce qu'il est plus orienté graphique que textuel. Ça veut dire chaque option a une icône qui marche ensemble avec elle. Donc si nous remarquons là, affichage a une image devant, trier a une image, à continuer, chaque a une icône qui marche ensemble avec elle. Donc ça, qui c'est une opportunité. Opportunité, le fait que même si Windows data dans une version dans une langue que nous pas comprendre si nous comprendre qui ça ti icône veut dire donc n'a pas manipuler qui ça nous capable faire pour nous joindre ancien menu que nous était habitué ensemble avec dans Windows 10 dans Windows 7 les nous dans menu contextuel par exemple si moi fais clic droit moi gagne un menu contextuel et là soit gagne option que me pas là ou bien me t'amener afficher de manière traditionnelle m'a juste descendre en bas dans dernière option hein, qui c'est afficher plus d'options et si me cliquer sur lui et voilà mes menus traditionnels il a transformé en menu traditionnel côté que m'a pour ancien menu Jean OTA affichage trier par actualiser et la trier par exemple si moi fais clic droit sur fichier ça moi t'a même copier clic droit et voilà moi pas copier là donc pas gain copier dans menu hein. Donc qui ça me capable faire m'a cliquer sur afficher plus d'options et voilà, le descend en bas m'a pour copier. Donc là ça m'a bien possibilité pour capable copier fichier. Mais c'est pas parce que copier pas existé dans menu qui est au bord là. Donc si nous faire clic droit, donc menu copier c'est petit symbole ça en réalité. Songez nous te dit que menu contextuel Windows 11 plus orienté graphique que textuel. Ça veut dire petit crasse par petit crasse, il a retiré texte puis capable mettre image ou icône pour représenter chaque menu. Donc là c'est menu copier. Mais si ça pas veut dire rien pour vous, pas habitué à que icône ça, pas de problème. Donc si vous icône présente ou pas connait, on va juste descendre non, afficher plus d'options et voilà, on va joindre tout ancien menu traditionnel yo. Donc pensez à ça à chaque fois faire clic droit et qui gagne un bagage qu'on pas comprendre dans menu. Yon autre bagage qui paraît étrange, c'est lorsque n'a manipulé fenêtre yo dans Windows 11. Par exemple, si moi afficher une fenêtre, par exemple dans une fenêtre corbeille, n'a remarqué qu'il y a des changements qui radical qui fait dans fenêtre ça. Par exemple, nous gagne l'autre coin fenêtre yo qui était printillé, or ici nous venons voir ça yo arrondi. Ouais, yo arrondi, ça qui vient rendre plus esthétique, plus belle à regarder. Alors l'autre petit changement qui est très remarquable, c'est lorsque nous mettons curseur sur
icône agrandie et réduite et la fenêtre. Donc, nous avons que lui présenter un menu. Alors, menu ça, lui montrer une façon capable d'arranger fenêtre ou sous plusieurs fenêtres qui affichées à la fois. Par exemple, si moi gagne deux fenêtres qui affichées, moi ca organiser comme ça, moitié moitié. Donc, en regardant un exemple, si je clique ici, et voilà, il y a bon, l'autre moitié, moi ca choisir qui est dans deux fenêtres, moi mettre comme l'autre moitié. Alors, bon pour en bas. Et voilà, ouais, moi gagne deux fenêtres côte à côte. OK, c'est la même chose si m'ta besoin gain quatre fenêtres, il y en a à côté de l'autre. Moi aller dans catégorie 4, moi cliquer sur mon premier. Et voilà, il est en réorganisé en quatre morceaux et moi choisi qui est m'a mettre en deuxième. Moi choisi qui est m'a mettre en troisième. Et c'est le quatrième, t'as cliqué l'étape ajouter là moi. Donc ouais, ça dit m'ta gain gen quatre fenêtres côte à côte. Yon dernier petit remarque dans le changement qui vient dans Windows 11, c'est que li vini ensemble avec des thèmes qui vraiment cool. Là, c'est un thème clair, ça qui permet que nous travaillons la journée. Et si moi t'a fait clic droit et puis m'aller dans personnaliser, donc on pourrait que nous gain d'autres thèmes qui permettent nous travailler dans des circonstances adaptées. Si c'est la nuit, moi capable prendre des thèmes sombres. Par exemple, là l'app calculer que li va l'afficher. Donc voilà, donc nous voyons que nous avons un thème qui est assez sombre, donc ça qui permet que nous travaillons bien le soir, pour que nous ne pas fatigués. Donc, il y a un thème clair, ça qui permet que nous travaillions bien la journée. Donc, nous cliquons là pour calculer. Donc, ça qui permet que nous travaillions la journée. À ce thème, ça permet que nous avons assez de lumière pour nous travailler la journée. Donc, c'est la vidéo à prendre fin. Si vous avez quelques choses que vous ne comprenez pas, ou que vous avez plus d'explications sur vous, vous pouvez faire ça dans les commentaires. Et comme ça, nous avons fait une vidéo vraiment spéciale pour vous. Et si toutefois, vous avez installé Windows 11 sur l'ordinateur, vous pouvez contacter nous en privé. Et comme ça, nous sommes capables d'aider à installer Windows 11 pour travailler en toute conformité.